Là, je ne peux pas vous parler tant que vous n'aurez pas vu cette intro. Non mais vous avez vu cette intro, sérieux, qui oserait couper ça? Franchement, je vous le demande. Sol Cresta, nous voilà. Oh, quelle sensation étrange les amis, parce que le jeu est pas tout neuf, puisqu'il est sorti à l'origine il y a 42 ans, sous l'intitulé de Moon Cresta, et c'était un petit shmup assez grand en fait, puisqu'il révolutionnait des petits détails dans le gameplay. Donc on démarre avec le petit vaisseau, tranquille. Et puis, si on arrive à passer les niveaux, eh ben, on peut gagner d'autres morceaux de vaisseau pour pouvoir eh bien, continuer son périple si on se fait toucher une fois par une malheureuse boulette ou qu'on percute un ennemi, carrément. T'as vu ce suspense? Il manque plus que Roger Moore au casting, on y croit. Oui, je suis tout bizarre de mettre les doigts là-dessus aujourd'hui en 2022. C'est assez bizarre. Donc, trois volumes se sont succédés. Il y a eu Moon Cresta, le premier, le plus connu. Il y a eu également Terra Cresta, qui est beaucoup moins connu, parce que, non pas qu'il était mauvais, mais son défaut est d'être sorti une année où il y a eu une profusion de shmup. Il a été tout simplement noyé dans le flot des sorties. Ils m'ont bien mis une belle marave, là. Et là, je suis tout panique avec mon pistolet à bouchon d'espace. Et c'est piou-piou-piou, j'ai bien l'impression que ça n'impressionne personne. Alors vraiment. Personne au moment où je ramassais ma carlingue de secours. Il y a peut-être aussi un petit détail qui joue pas en sa faveur, c'était que pour finir le jeu, pour la petite anecdote, il fallait arriver en face du boss final avec l'armement maximal, sinon c'était pas la peine.
Du coup, 42 ans après, je me retrouve avec ce troisième volume qui est intitulé Sol Cresta et je sais pas trop à quoi m'attendre. Comme tout le monde, j'ai regardé les vidéos, j'ai fait des purées, qu'est-ce qu'ils vont faire les papys là? Dans mes 40 ans quoi les gars? Aïe aïe aïe, la midlife gamer power quoi. Je suis très très curieux de découvrir le gameplay moderne parce que des vidéos que j'en ai vues, des trailers et tout ça, ma conclusion ça a été c'est bien fouillis. Oui, c'est bien fouillis, parce qu'il semblerait apparemment que les développeurs aient trouvé judicieux de vraiment élargir le gameplay et utiliser concrètement ces fonctions de trois vaisseaux entièrement modulables, mais en temps réel dans le jeu. Et on va voir si c'est à la fois fun, jouable et tendu. On va faire un petit tour dans le manuel, histoire que ça soit clair pour tout le monde. Parce que le gameplay va être un petit peu plus complexe que dans un simple shooter où on débarque et on annihile tout ce qu'il y a à l'écran. How to play, you have one button to tire and one button to change your aménagement de vaisseau. Et donc on peut changer l'aménagement de son vaisseau pour le combiner de différentes manières qui donneront accès à différents tirs. Alors, les tirs principaux varient selon quelle navette on place en tête du cortège. Et on a également le tir chargé, que j'ai toujours pas réussi à déclencher d'ailleurs. Les histoires de formation, les voilà détaillées d'ailleurs. C'est ici que ça se trouve, et tous ces symboles de forme, bah justement, vont permettre d'accéder à ces formations momentanées qui vont donner une puissance de tir surmultipliée. Comme ça suffisait pas, il y a aussi une option commande que je n'ai toujours pas comprise, et on va essayer une game, on verra si je comprends mieux, qui permettrait de pouvoir concentrer son tir d'une certaine manière, à l'avant, à l'arrière, sur le côté ou carrément en étoile. Bon voilà, vous savez tout, regardez-moi ce bel écran, à gauche, les jauges, qu'il va falloir essayer de surveiller d'un œil, mais c'est pas dit, ça dépend de l'activité sur l'écran principal. À gauche, toujours un petit peu en bas, on a les formations auxquelles on peut accéder pendant le jeu, et puis celles qui restent à déverrouiller. Tout à droite, c'est la gauge seule, qui va permettre d'accumuler, avec toutes les pièces ramassées et tous les bonus compilés, différents bonus qu'on pourra déclencher pendant le jeu, j'espère bien. C'est une mission dont on ne reviendra sûrement pas, mais pour que tout le monde sache, il faut que quelqu'un montre. Alors avant d'aller tripoter Uranus, alors on va aller à Neptunus. Comment ça, elle était un peu naze celle-là? Ouais, je sais. Very easy. Ah, je vous le recommande pas du tout parce qu'il est vraiment easy, genre c'est pour les enfants. Hein. Easy, bah pour les gens qui sont pas shmup, ça peut être bien pour les gens qui découvrent le jeu. Et normal pour les gens qui ont des grosses... des gros yeux. C'est ça, des gros yeux, ouais. Perte, fracas, chaos et explosion. Oh la musique! Oh les patterns! On se connaît nous, on se connaît les gars! Attendez! Oh, je suis en mode vieux euphorique, ça y est, ça recommence. Bah évidemment, c'est pas facile de... Il y a un côté gosse. Là, vous me mettez quelque chose pour mesurer mes battements de cœur. C'est instantanément passé d'un 70 paisible à un 110 un petit peu agité qui a envie d'envoyer encore plus gros. Le pixel work est assez fabuleux, hein, parce que c'est à la fois très rétro, très carré, et puis il y a toutes les techniques modernes, on n'a pas de limite couleur, on n'a pas de limite sur les textures, on n'a pas de limite sur les fonds, bref, on est Buzz l'éclair. Alors apparemment j'ai un level up, ce qui serait bien c'est que je chope du vaisseau collègue, pour pouvoir essayer, c'est d'amener modulation. Je prends ça, ça je prends aussi, ça je prends aussi, je prends tout moi. Les patterns sont vraiment très très old school, hein. Ça fout le sourire parce qu'on est là, on connaît, on est à la maison. Il y a un petit peu de ça quoi. Alors les jeunes qui vont découvrir ça, ça va être marrant, ils vont peut-être faire un peu la gueule.
Truc intéressant, les bonus qui vont me permettre de déverrouiller les formations. Vous avez vu que je tire plusieurs fois dedans et ça change le symbole qu'ils affichent. Donc il va falloir que j'évite de tirer de temps en temps, ce serait bien. Vous me connaissez. Moi, c'est bouton de feu enclenché du début à la fin. On discute pas, il n'y a pas de négociation. Non, on ne négocie pas avec les terroristes. Et j'ai pas pigé ce que c'était les boules bleues fluo là. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Le jeu est pas méchant. Il fait son boulot de m'impressionner un petit peu pour dire « Salut, tu vois comment ça va se passer ?» C'est le premier tableau, ça. Rappelle-toi. Oui, je m'en rappellerai plus tard que j'ai fait le premier tableau. Je sais pas ce que c'est, ça. J'aimerais bien comprendre. Vous êtes comme moi, vous êtes pressé de tester les formations. Là, il va falloir qu'on passe ce boss déjà, ce sera bien. J'ai tenté un changement de formation, vous avez vu que ça a été Kaku. Oui, parce que c'est en temps réel pendant le jeu, hein, donc c'est bizarre. Pas terrible, monsieur K. Oui, pas terrible, je l'admets. C'est le petit matin, hein, il est 15h, je me lève. Donc forcément, pas trop remonter non plus. De justesse, ce bonus. Ah, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Et j'ai juste un tir avec un petit missile. Non, me faites pas ça. Je tire pas avec les petits tirs tout pourris comme ça. Il me faut un tir qui balaye en largeur, vous le savez bien. Alors des fois, il faut arrêter de tirer pour avoir le bon bonus aussi, ce qui fait que les ennemis commencent à venir s'inviter sur l'écran. Et c'est mal, c'est très mal. Je crois que je vais pas aller loin, là. Je vais pas aller loin. Ouais, un pote. Oh, le jingle d'époque. C'est offert par la maison. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire, oui, je me demande ce que vont en penser les nouvelles générations de joueurs, parce que ça va leur faire un peu bizarre, ce genre de gameplay. En 2022, alors que nous on le connaît par cœur. Et il reste rigoureusement identique à ce qu'on faisait il y a 40 ans, quoi. C'est-à-dire des ennemis en l'air, des ennemis au sol, un petit peu de mémoire quand même pour savoir qu'il y aura des passages plus complexes que d'autres et qu'il faudra négocier d'une manière particulière plutôt qu'une autre. Il va pas crever, lui. Lui non plus. Et je veux passer, moi. Bon, vous avez rien vu. Mais non, personne n'a rien vu, regardez. Oh, c'est vieux pattern old school, nom de Zeus. C'est incroyable. Je sais pas. Il faudra un retour caméra quand même, parce que j'ai un énorme smile. Ça, je vais pas vous le cacher, puis ça doit s'entendre sur le ton de la voix. Parce que je suis tout le temps à deux doigts de rigoler. J'avais vraiment de gros doutes, hein, quand j'ai vu les trailers du titre, je me suis dit... Pff, ça va être aussi quelconque que ce qu'on avait à l'époque. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand même, on va pas se la cacher. Ils ont pris un coup de vieux, nos schmucks des années 80. Ce serait prétentieux de dire le contraire. Et je passe où, mon gars? Ok. Non, mais on négocie des fois. Ah, c'est un truc qui tire, ça. Ah, petit à petit, je vais comprendre. Est-ce qu'on changerait pas de formation? Pour essayer. Ça marche, ça? Non. Non, ça n'a pas marché, si. C'est quoi ce gros truc qui vient de passer? J'ai l'impression qu'un énorme ennemi approche. Je confirme, il est énorme. Il a une très grosse... un énorme appendice caudal, on va dire. Deux secondes, je réfléchis. Pourquoi c'est un shmup? Ouais, je sais, mais je réfléchis quand même. Je réfléchis toujours dans les shmups, moi. Peut-être pour ça que j'y arrive moins bien. Oh, la hitbox, les gars! C'est une Xbox... Une hitbox des 80s. Ah, c'était dur à dire, ça. Une Xbox des 80s. Il veut crever, l'autre, en haut, ou... On attend. Ouais, la hitbox, c'est vraiment grosse, hein. Bon, faut dire que... 80s, hitbox, c'était pas trop d'actualité comme sujet, hein. Genre, les mecs étaient plutôt inquiets de se dire, est-ce que le jeu que j'ai fait, le mec qui a payé pour, il va être rentabilisé?
Et il y avait toujours le doute avec la sortie et le lancement sur le marché. Non mais toi t'es une tourelle, ça se voit, hein. On va pas tourner autour du pot, on va pas se faire des câlins. Attends, je me suis très mal positionné. 2 secondes, je réfléchis encore. Ouais, je sais, un shmup. Ça arrive. Bon, je suis pas au point là, les gars. Je suis pas au point du tout. Ce run découverte aura été un peu catastrophique niveau gameplay, mais bon. On n'est pas là pour ça. On est là pour regarder le jeu, pour le surveiller, pour le mater, pour l'estimer, pour le juger. Oui, on juge. On est un peu comme le Judge Dredd. C'est gentil de me donner un vaisseau de temps en temps. Un autre jeu veut bien aussi. Merde, au moment où je ramassais. Le jeu est très gentil quand même. Il vous accorde le ravitaillement au vaisseau pile au moment où vous en perdez un. Bonjour. Ah non, pas bonjour, pas bon. Non, j'y vais. Allez, à plus. Non, bonjour. Non, je reviens, regarde. Il est rapide quand même, il a... Hop. Ah, du calme. Non, pas l'autre sens. Oh, j'ai perdu mon vaisseau. C'était pas un vaisseau ami, ça. Ouais, les vieux, tout ça. Ah, je... Attention, chérie, ça va laseriser. Non, dans l'autre sens. Oh, il est blagueur, en plus. Hop. Calme-toi. Alors, mine de rien, c'est très old school, mais c'est chaud. Faut vraiment quand même gérer le truc. C'est pas parce que c'est 40 ans plus tard que vous êtes censé avoir les réflexes du mec qui a 40 ans de plus. Allez, va te coucher sur le paillasson, animal spatial sous-marin. Ça n'a aucun sens. Bah, qu'est-ce qu'on s'en fout. Oh, les zigs sont terribles en tout cas. Qu'est-ce que quoi? Pas un boss tout de suite. J'en sors, les gars, j'en sors. Bon, en plus, il est pas très... Il a pas inventé l'eau tiède, lui. Hein. Mec, je suis là. Regarde là. Là où tu vises pas. Ah non, c'était un bonus. C'était juste la jarre de bonus. Celle qui appartient normalement à Jean-Michel. Insère. Alors, petit aveu, moi je suis tellement focus sur le milieu de l'écran pour essayer de piger l'action que je regarde pas trop mes jauges à gauche et à droite. Hein. Surtout celle de droite. Celle de droite, je l'estime, je l'imagine, mais je la regarde jamais. Et je crois que bientôt j'aurai déverrouillé la F-formation, je ne sais absolument pas qu'est-ce que c'est. Oh, papa, ce paternitis de sa maman. On y est. C'est très osé ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très osé parce que moi... Ouais, je rigole. Ah, mais faut que je déverrouille mes formations pendant le nouveau tableau aussi. Ça ne passe pas d'un tableau à l'autre. C'est bon à savoir comme info, ça. Vous auriez pu me le dire avant. Ah, quelle fourberie de devoir arrêter de tirer là-dedans alors qu'il y a plein de petits pois dégommés. Oui, de petits pois. Ils étaient verts, pas énormes. C'est des petits pois, moi, je vous dis. Hop. 2 secondes. Ah, oh, j'ai raté mon bonus. Est-ce qu'on se changerait pas de formation? Ah, vous êtes chaud, je le sens. Piouf! Voici la formation L droite. Qui, comme c'est écrit dessus, permet d'avoir un L plutôt orienté droite. Et de canarder à coup de missile à tête chercheuse, ce qui est pas mal, mais qui n'a pas une fréquence de tir très élevée. Donc à un moment ou un autre, il faudra peut-être changer de roman, de poème, ou songer à faire des... Je focus les amis, je peux pas avoir un nouveau vaisseau, qu'est-ce qu'il fout là ce truc? Arrgh. On change, la changure c'est maintenant. Pas très efficace ça sur... Ouais non, eux ils s'en foutent, hein. Ils rigolent là, ils passent, ils font... Le temps qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils changent de tir, on leur a annihilé. Ils y croient les gars, ils y croient. Mais non, je suis pas comme ça moi, mais il se barre lui. Ah, il se barre. Alors, il y a des mid-boss qui font que passer, ils font du stop. Oh, le tir à bout portant, c'est dégueulasse. 7 découvertes va être terrible. Parce que du coup, vous comprenez pas toutes les subtilités du jeu d'emblée, hein, ça se voit. Je fais pas semblant, là. Dame. Et apparemment, le jeu propose de l'évitement. Du shoot, bien entendu. De l'agressif, de l'offensif. J'ai oublié de passer dans mon cerceau. Hein. Et... Ah, je regarde ma jauge à droite. Speed up. Bon.
Je pense pas que ce soit le bon tir que j'ai pris. Merde. Ah, j'ai repris le même. Je voudrais bien suivre avec les missiles guidés, madame. Madame, je peux l'avoir. Oh, presque. Tente encore, encore, encore. Essaye. Oui, tu es dans Matrix. Si vous mettez trop de temps à choisir la formation, pop, 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 il vous sort du mode et vous vous démerdez avec votre slip en peau de panthère et couteau mal aiguisé. Ce qui, pour dégommer un boss dans un vaisseau, n'est pas l'idéal, vous l'admettrez. Alors, sur les boss, les patterns ne sont pas ultra scientifiques, apparemment. Mais on est en mode normal, donc rien ne dit que ça va pas un peu se comp... Oh, c'est quoi ça? Ah, il me fonce dessus, c'est sympa. Rien ne dit que ça va pas se compliquer, hein, si vous changez de mode de difficulté. Parce que là, c'est vrai que les patterns sont vraiment gentils. Hein. Hop, tu me locks. Non, pas encore. Ça va venir. Oh zut, mais quelle bourderie! Oui, une bourderie! C'est comme une connerie, mais en bourré. Ah, ça a foncé. Et il crève ce truc un jour où on sort les cartes, on installe la nappe, on fait un pique-nique. Ah bah, moi je demande, je suis curieux. Oh ma zette, ce fut long. Attends, laisse-moi récupérer mon pote, merci. T'es chou. Ah, ça, ça veut pas. Si, ça crève, mais difficilement, on va dire. Oh là. Alors, faut que je trouve un moyen d'augmenter mon tir, ce serait sympa. Et ma jauge à droite qui me dit que t'as plein de bonus potentiels, mais tu ne sais pas t'en servir pour l'instant, donc regarde-les, c'est mieux. Oh, le jingle. Ah, je crois qu'il y a des tirs... des tirs longue portée qui m'arrivent sur la tronche. On va éviter de rester trop dessous. Contre toute logique, le jeu semble être foutu de telle manière que, vu la quantité de bonus que vous avez et les formations disponibles, il va se faire un plaisir de vous mettre dans des circonstances où il faudra utiliser un tir plus ou moins approprié à la situation. Ça me semble assez évident. Vous voyez, c'est ça de chercher ces mots, on joue moins bien. Oh, je l'ai vraiment pris sur la gueule celui-là. Mine de rien, les tirs distants de DCA, là, ils sont discrets et du coup, on les oublie totalement sur l'écran et on se fait avoir. Vous avez vu, je me suis fait défoncer par deux petits tirs à la noix. Oui, à la noix Morissette, c'est une nouvelle chanteuse. Ça attire en plus, les barres. Le bar attire, je le savais, mais à ce point-là, quand même. On va essayer de pas trop faire le couillon. On va jouer soft, sécurité d'abord. Oh là là, en fait j'ai fait de la... Quoi? On change de formation, je la sens pas terrible celle-là. Ah, on peut pas, on est que deux gars. Ok, j'oublie, je passe à autre chose. C'était un joke. Si t'as vu tes tirs, ah, t'as toujours pas appris un nouveau pattern. Je vais t'en faire voir un, bouge pas. Attends, je charge dans la boîte à canon mon manuel. Oh. Ouais, les boîtes à ion dans les vaisseaux spatiaux, c'est le bordel à chaque fois. Old school, ça sera vraiment le mot de description de ce jeu. Il est old school, mais terriblement old school. Mais il emprunte là où il faut. Du coup, les a priori du joueur sont freinés immédiatement. Parce qu'il se dit, mais c'est, il est bien ce truc en fait, parce qu'il y a du skill. Et un peu mon gars qui a du skill. Fais-moi une formation un peu rigolote, mec. Tu peux pas faire autre chose qu'un L. Ah, je l'avais. Ça va me demander du temps de maîtriser ce passage de transformation. Ah, ça y est, il nous sort le passage Ikaruga. Non, j'exagère à peine. Mais si, un peu beaucoup, quand même. Pied. Cette manine me tire à côté, les gars, va falloir changer.
Parce que là, franchement, c'est le seul truc que je reproche aussi. Ça, on va le rajouter dans la reproche liste. Pourquoi les ennemis ne font que exprès de me tirer à côté et pas dessus? Bon, allez, le laser, à peu près, il maîtrise le gars. Et là, vous avez bien vu, il a un problème avec ses boulettes. Non! Oui, peut-être. Ah, c'est sous réserve, quoi. Bazinga, quoi. Bazinga, les amis. Oui, on va envoyer du gros. On va chez Menu. Cette engeance de l'espace. Cette méchanceté infinie. Venu chercher la misère. Et nous, une fois de plus, il faut qu'on défende la Terre. Alors qu'on a autre chose à foutre de nos journées, quoi. Il y a des plages, il y a des nanas. On pourrait se la régaler au soleil. Non, faut qu'on pilote un vaisseau et qu'on dégomme tout le monde. Donc au final, on a un shmup qui est intergénérationnel, on va dire, c'est pas exagéré comme nom. Et il mélange allègrement des gameplays, sans aller jusqu'au Danmaku, c'est dommage. Qui ont été vus, qui ont été usés, mais qui sont très charmants à parcourir et à défier justement. C'est la première fois que je fais du shmup dans un flipper, les gars. Oh, les dinos! Un shmup avec des dinosaures, c'est un shmup réussi. Ça restera mon dicton du jour. Est-ce que Sol Cresta est un bon shmup? Oui. Est-ce que Sol Cresta va satisfaire les vieux? Mais que oui. Est-ce qu'il va satisfaire les jeunes? Bah, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a su hériter de tous ces gameplays qui mélangent aujourd'hui et qu'ils font en un seul jeu. Et je pense que c'est quand même pas mal trouvé. Ça veut dire que vous allez pouvoir aborder le jeu comme un joueur du dimanche, entre guillemets, ce qui n'est pas vulgaire. Et vous éclatez dedans en bidouillant, en tripotant les bonus, en essayant, en expérimentant, même si vous n'aurez pas compris toutes les subtilités du jeu. Et puis après, si vous êtes un gamer dans l'esprit, bien entendu, vous allez commencer à essayer de piger comment fonctionne le jeu, quelle zone est plus simple à parcourir avec telle ou telle combinaison de tirs. Et vous allez y prendre également un grand plaisir. Donc, totale réussite. Là où les doutes s'étaient montrés, j'ai tout effacé en une séance à vous faire explorer ce Sol Cresta. Et je pense que comme moi, vous serez très satisfait d'y paumer un max d'heures.
Ha 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 ha!
Du coup, j'ai rien dit sur ce mode dramatique, mais il est vachement bien. Parce que, une fois que vous aurez un petit peu maîtrisé les commandes de base du jeu, vous allez rentrer dans ce mode scénario, qui est vraiment très très rigolo, puisque vous avez un nombre d'anneaux bonus à franchir en étant de la bonne couleur pour pouvoir compléter le mode.
Et ça renouvelle un petit peu la façon de jouer, c'est vraiment sympa, parce qu'en plein combat que vous êtes supposé maîtriser, il peut vous balancer des sales surprises qui vous foutront en l'air votre run. Il est chaud chaud ce passage.
j'ai pas le bleu. Oh, comme c'était fourbe.
寺子屋さんのせいで完全に葬ったはずだ。貴様らが倒したのは我らが王の器の一つに過ぎない。我らが王は間もなく蘇る。惑星エネルギーで新たな体を得てな。惑星エネルギー、まさか大君は兵器開発じゃなくてマンゴラ復活のためのエネルギーを集めるものだったんすか。なんだって。知ったところでもう遅い。我らが王復活の時、この宇宙は暗黒の支配に覆われるのだ。魔王マンドラー様に栄光あれ。敵戦艦の活動停止を確認。ヤマト各機へ。バイ君の反応確認地点に到達します。バイ君確認、直ちに破壊します。停止。マンドラ、生きていたのか。あの魔王が生きているとすれば、我々の想像以上に敵は脅威となる。一刻も早く全てのバイクを破壊しなくてはならない。そして太陽にあるメガゾーガーの拠点を一気に叩く。太陽、我々の父なる太陽を必ずや奪回するのだ。さあ土星へ急ぐぞ。了解。またショーがペンダントと会話を始めちゃったっすね。
ったやつだけど、コロは無人レーダー、出力最大、ヤタガラス、第一警戒体制。 Mα 号の識別信号を感知、さらに、もう一機の反応あり。なんだと？それに今度は M ベータ号まで、動きも半端じゃないっすよ。 M アルファロー、我が愛機をそんな不粋な名前で呼ぶな。だが我らはディータ、メガゾファーの誇り高き戦士だ。ディータ、誇りだと何を言ってやがる。侵略者の軍勢で月に超えている悪辣なる地球人など滅んで当然なんだ。なんだと、我がアイキ、トリムルティの力を思い知るがいい。助かるぜ。あ、そんなこと言っていいんすか。オイラを悪く言うと二人
ますよ。別に怒らないわよ。あんたが不真面目なのは本当だし、意義はありません。これだからアンドロイド作るのは苦手なんす。調子はどうだ？ショウ、回線指定のお返しさ。お前とは幼馴染だ。悩みを抱えてることくらいすぐわかる。でもまあ、無事に帰れなきゃ悩むこともできねえ。今はこの戦いに勝つことだけを考えようぜ。ショウ、待って。あなたには聞いておいてほしいことがあるの。なんだよ、急に改まって。私は子供の頃に拾われて、あなたと同じ施設で育てられた。でも本当は私は科学的に作られた人造人間なの。